Le désert, c'est l'inconnu, le retour à l'essentiel, la nudité. L'autoroute, c'est le contraste avec cet univers naturel et ce qui nous permet de le traverser. Moi, ce qui m'a tout d'emblée intéressé dans la collaboration qu'on a fait ensemble, bon, déjà l'intérêt de la diversité des compositions et puis ce que je pouvais y apporter. C'est le compositeur, mais par contre il est très très souple sur le fait de redéformer la structure des morceaux, sur la production sonore des morceaux, et pour ça c'est précieux. C'est la façon dont moi je ressens les compositions de Jean-Baptiste. Et ce qui m'intéresse dedans, c'est que justement il y a une espèce d'imaginaire. Pour moi, ça m'évoque autre chose que de la musique. Ça m'évoque effectivement comme des petits courts-métrages un peu sonores. Je pense à Tarantino, je pense à Mad Max, quelque chose de saharien. La route est longue et c'est un peu crasseux. Et en même temps, là-dedans, il y a aussi les voitures, l'essence, le côté Mad Max en fait. Un mélange des deux. Et puis avec les deux paumés au milieu de tout ça, on se rebuche chez Tarantino. C'est ça, les deux paumés. C'est eux. Deux mecs au milieu de nulle part en fait.